Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. 3, 2, 1. Vous savez que depuis un certain moment, le sieur Adjumani Kobina s'attaque impunément au PDC-RDA avec en ennemi son symbole, qui est le président Aimé Harikona Bédié et son premier animateur à la personne du ministre Maurice Kakou Gikayué. Nous voudrons ici interpeller le sieur Kobina Adjumani pour lui dire ceci. Adjumani, le président Bédié n'est pas ton camarade. Adjumani, le président Bédié ne boit pas le chapalo avec toi, ton chapalo avec toi. Adjumani, tu parles malencontreusement du PDC-RDA avec arrogance devant une cohorte d'aigris en disant ceci. Le PDCI de Daoukourou. Mais tu es dans le faux, cher Kobina Adjumani. Tu es dans le faux. Le PDCI a une implantation nationale. Le PDC-RDA est un parti structuré. Le PDC-RDA, c'est le parti le plus structuré de la Côte d'Ivoire, avec une implantation nationale. Le PDC-RDA, c'est le second parti en Afrique après l'ANC. Il faut que tu le saches une bonne fois pour toutes. Le président Bédié n'est pas ton ami. Il n'est pas ton camarade, ce grand homme d'État. Et donc, nous voulons te dire d'arrêter d'utiliser son illustre nom chaque fois que tu es en train de bavarder devant une cohorte d'aigris. Il faut arrêter de parler du président Bédié. Encore moins du chef du secrétariat exécutif, ce Turus fils, Maurice Kakou Gikayué, l'animateur premier de notre parti. Nous allons toujours nous donner des temps pour te donner la réplique chaque fois que tu citeras l'illustre nom du président Bédié. Oui, comme dirait l'autre aujourd'hui, au cours d'un meeting, la Côte d'Ivoire a vraiment changé. Sinon, comment comprendre qu'un individu de la tente de Adjumani puisse s'attaquer au président Bédié, son bienfaiteur d'hier? Comment comprendre qu'un individu ordinaire de la trempe d'Adjumani puisse s'attaquer à un homme d'État de la trempe du président Aimé Harikona Bédié? Le monde est vraiment à l'envers. Nous voulons t'interpeller pour te dire qu'il faut que tu arrêtes maintenant. Même tes mandants ne le font pas. Le président de la République, votre candidat au RADP, a même du respect pour le président Bédié. Ce n'est pas un griot de ta trempe qui va manquer au président Bédié. Chaque fois que l'honorabilité du président Bédié sera atteinte par ta modeste personne, nous allons nous donner du temps pour te donner de la réplique. Il faut que cela soit su une bonne fois pour toutes. Ce que je voudrais te dire, Adjumani Kwasi, Dieu a une sentence pour ceux qui ne reconnaissent pas le bienfait. Dieu châtie toujours les ingrats. Le président Bédié, son seul tort, c'est d'avoir dit non à un moment précis lorsqu'il s'est senti grugé. Lorsqu'il a senti le PDC-RDA grugé, il s'est élevé pour dire non, je ne marche pas comme ça. C'est un homme d'État, c'est un homme de parole. C'est pour cela. Nous, au niveau du Forum national du PDC-RDA, nous allons nous donner du temps nécessaire pour te donner chaque fois que besoin se fera sentir la réplique. Plus jamais d'injures à l'endroit du président Bédié, en public. Comme nous l'avons dit, le président Bédié n'est pas ton ami, il n'est pas ton camarade. Il ne mange pas, il ne boit pas de chapalo, ton chapalo avec toi. Ceux qui boivent ton chapalo avec toi là, ce sont tes amis.
Il faut avoir un peu de respect pour le président Bédié. Nous sommes des bons Africains. Si tu savais ce que tes nouveaux amis pensent de toi, je pense que tu allais avoir du respect pour le président Bédié. Tous sont unanimes pour dire que Adjumani est un griot. C'est un bavard. Il le dit parce qu'il le fait parce qu'il veut un poste militaire. Mais diantre, quand on fait un comeback en arrière, mais qui est-ce qui a fait de toi ministre? C'est bien évidemment son excellence Aimé Henri Kona Bédié. Que tu es juré sur la place publique. Le président Bédié ne sera jamais ton ami. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. C'est un homme d'État. Épris de paix et de justice. Adjumani, quand on mange, on ne parle pas. La nourriture, quand ta bouche est pleine, on ne parle pas. Mange et tais-toi. Mais diantre, laisse le président Bédié tranquille. Laisse le chef du secrétaire exécutif, le ministre Mourou Kakou Gikawi, tranquille. Laisse les symboles du PDCI tranquille et restaure-toi bien. Il faut que cela rentre dans tes oreilles une bonne fois pour toutes. Je le dis et je le répète, chaque fois que tu t'attaqueras au symbole du PDCI, à savoir le digne héritier politique de ce grand parti que tu appelles malencontreusement le PDCI de Daoukoro, tu nous auras en face de toi. Il faut que tu le notes une bonne fois pour toutes. C'est pour cela que nous sommes donnés un peu de temps, mes amis et moi-même au niveau du forum, pour venir te faire cette adresse. Cette adresse vient de notre cœur. Nous sommes des jeunes, cadres, membres du bureau politique du PDCRDA, qui participons à la vie de notre parti, parce que nous croyons à un idéal. Nous sommes avec Bédié aujourd'hui, nous sommes avec Bédié demain, nous serons avec Bédié toujours, vaille que vaille, en dépit des vicissitudes. Rien ne peut nous détourner de cette valeur. La franchise, la loyauté, c'est ce qui fait l'homme. Mais je vais te dire quelque chose, Adjumani. Tu sais qu'au RDA, j'allais du RADP, c'est pareil. Hein. Bonnet blanc, bonnet bleu. Les gens disent là-bas que Adjumani n'est pas un homme de conviction. Si tu savais ce que le citoyen lambda ivoirien dit de toi, tu allais te suicider. Je dis bien, si tu savais ce que l'ivoirien lambda pense de toi, Adjumani, tu allais te suicider. Je voulais te t'appeler à un peu de retenue et mettre un peu d'eau dans ton vin. Nous sommes des bons Africains. Nous aussi, nous avons des amitiés au RADP parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Mais nous avons des convictions politiques différentes. Cela ne nous fait pas de nous des ennemis. Donc, tu cites des contemporains qui, selon toi, seraient partis du PDCI. Tu cites le gouverneur Mambi. Tu cites pêle-mêle. Comment on appelle ça, le maire d'en haut, médiante. Mais quand ils sont partis, le PDCI dans son fonctionnement existe. Le gouverneur du district n'est pas un élu. Il a été nommé. Comment on appelle, Daou Polé est sorti de nos entrailles, les entrailles du PDCRDA, de nos rangs, mais le PDCI existe. À Tekoubé et partout ailleurs, c'est comme ça. Nous avons une implantation nationale. Ce n'est pas une histoire de PDCI de Daoukoro. Il faut que tu rectifies cela. Ou c'est la mauvaise foi, ou ce n'est pas ignorance. Alors, si ce n'est pas ignorance, nous t'informons que le PDCI est le PDCI. Incarné par un seul chef, son excellence Aimé Henri Kona Bédié. Point barre. Dit que le PDCI de Daoukoro. Je ne veux plus entendre parler ça. Nous voulons plus entendre parler du PDCI de Daoukoro. Que ce soit toi ou quelques affidés que ce soit, nous allons donner du temps pour leur répondre. Pour leur dire qu'ils sont dans le faux et qu'ils ne savent pas que quand on est ignorant, on demande. Quand on ne sait pas, on demande. C'est quelques mots que nous voulons adresser à Étienne Kouassi Adjumani. Qu'il respecte le président Bédié. Tous les Ivoiriens épris de paix et de justice respectent ce grand homme d'État. Ce n'est pas un citoyen ordinaire comme Adjumani qui va venir prouver le contraire. Nous le disons une bonne fois pour toutes, mange et tais-toi. Le président Bédié et le PDCRDA, nous sommes sortis du RADP pour des raisons qui nous sont propres. En toute responsabilité, le président Bédié ne peut recevoir d'une dictée de qui que ce soit. Il faut que cela soit su.
à contrario de toi, qui reçoit la dictée pour venir vociférer, pour venir bavarder. Le président Bédié, en toute responsabilité, prend des décisions qui sied au PDCRDA et à l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes dans une coalition CDAP et nous entendons très bien. C'est pour cela que le président Bédié est solidaire de ses camarades de la CDAP. Cela te gêne-tu? Tu nous parles de dictée. On dicte. Vous ne connaissez pas le président Bédié. Tu t'es approché du président Bédié sans le connaître à Djoumani. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.